à toutes, c'est Red du 33 pour la V, je sais pas combien, peut-être la V8 maintenant, V7, V8 de mon Mach 10, voilà. Alors je vais essayer de faire assez rapide parce que puisque je découpe mes vidéos par deux, avant là j'ai fait 20 minutes, hein, V5, V6, V6 et V7, j'ai plus puisque je sais plus combien j'en suis, que mon ordi est éteint. Alors voilà, juste avant je vais vous dire un petit truc, pas important, mais vous voyez là mes boîtes qui étaient classées par, par couleur. Ça c'est une boîte vide, voilà, au cas où je veux casser des trucs dans mon petit rangement là-bas. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que je les ai toutes mises dans cette grande boîte, voilà, comme ça après, parce que j'ai besoin de la place pour mettre mes DVD. Donc voilà, donc on va commencer vite fait, on va terminer vite fait aussi. Alors, et comme ça après je pourrais détruire cette version et en faire une nouvelle et la filmer, enfin bon, voilà. Alors voilà, ici les deux gros feignants qui récupèrent des armes et qui s'en vont dans la forêt par là. Ici on a donc des arfs blancs qui discutent avec ce blanc et les arfs rouges qui continuent. Ici on a toujours le duel contre Lumina Randoli, Barry Sophie. Bon c'est plus simple, alors Lumina, Barry Sophie est tombé mais c'est pas exprès. Voilà. Ensuite ici on a Jar Jar qui est pas mort. En fait il a fait une explosion avec sa boumasse et en fait il a projeté en arrière. Et c'est mal fait. Donc ici voilà, ici on a une petite réunion de Mandalorian avec les deux là-bas qui arrivent. Voilà, et lui qui est avec son canon comme ça. Petite réunion, lui il a récupéré l'arme du Galactic Marine. Ici donc dans la prison on a notre Gunray et Hammer, donc c'est des prisonniers des Mandaloriens, je vous rappelle. Donc notre Gunray, bon lui s'est rendormi, enfin il était en cette cellule, il est passé dans celle-là, ça change pas grand-chose. Mais Hammer il va essayer de s'échapper quand même. C'est bête que personne ne sache qu'il est enfermé ici, parce que ici il y a juste cette petite arme. Et je vous rappelle que les Mandaloriens ont détruit ce mur avec ça, donc on peut très bien détruire ce mur avec ça, donc il faut juste que quelqu'un le prenne en fait. Hammer n'a pas de radio, et puis de toute façon il s'est passé un truc ici, et puis j'en ai pas de côté qui s'est enfermé là-dedans. Voilà, ensuite ici donc on a deux bombes squad donc sur des Bark Speeder, donc qui amènent Mace Windu pour se faire réparer, pour se faire guérir à l'infirmerie très loin là. Voilà. Donc ici bah, on a les droïdes qui sont explosés comme d'habitude, avec Anakin qui a arrêté notre gunnerie. Ici on a un Gungal Soldier, on a un Naboo pilote sur les ordis de la CSI. Voilà, plan comme ça. Donc je suis allé très très vite quand même. Ah oui là-bas aussi. On a C-3PO qui s'est arrêté par les Mandaloriens. Et alors, bon, je disais, je suis allé très très vite et ça m'étonnerait pas que vous ayez rien compris. Voilà, j'ai essayé de faire maximum 7 minutes. Ben, ça va faire maximum 3 minutes. Donc en tout cas, c'est sûr, il y aura une vidéo juste après celle-là. Voilà, donc je vais pas vous dire abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez des j'aime ou des j'aime pas. Puis allez faire un tour sur ma chaîne, sur mon Flickr. D'ailleurs, je l'ai pas encore mis sur Flickr, mais je pense qu'au moment où je mettrai la vidéo en ligne, je l'ai mis. C'est un assassin Lego fait par un ami. Donc c'est... Voilà. Puis aussi avec la 3DF, avec les cartes cartes RA, j'ai fait une petite photo, je vous la mets là juste à la suite, vous allez voir, c'est assez stylé en fait, c'est lui qui menace un ennemi. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de 3DF, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, mais en tout cas, la photo juste après cette vidéo. Je vous fais juste un petit plan d'ensemble, comme ça, pour que vous voyez un peu, parce que je pense que... C'était beaucoup trop rapide. J'ai sûrement oublié des trucs. Enfin non, j'ai pas oublié des trucs. Ah si, j'ai oublié des trucs. Sur la moto Jedi, là, il y a Obi-Wan. Enfin là, on voit rien, mais normalement, sur cette moto, il y a Obi-Wan qui est monté dessus. Voilà. Et qui va démarrer, je pense. Ou alors, il est juste là parce qu'il se cache. Je sais pas, ça peut pas être à vous de décider, puisqu'il y a l'autre version qui se fait juste après. Vous n'avez pas le temps de mettre votre mot. Hein. Je la publie pas comme ça. En tout cas... Ça fait super plaisir que mon nombre d'abonnés stagne à 366, mais mon nombre de vues augmente pas mal, 104 000 et quelques. Donc ça va, j'ai pris 3 000 vues en très peu de temps. Et ah non, j'ai dû me planter. Enfin, je peux pas vérifier, mon ordi est éteint. Bon, donc ce que je voulais vous dire, bah, c'est abonner. Non, je vous le dis pas puisque je vous le dis dans la vidéo d'après. Salut, à tout de suite. Enfin, dans longtemps pour moi et pour vous. Alors, salut à tous et à tous, c'est Rex33 pour la version qui suit de mon mock. Donc oui, donc vous avez vu la vidéo juste avant, ça sert à rien que je vous redis salut. Moi aussi parce que ça fait longtemps quand même, ça fait un petit peu plus d'une semaine.
Parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, et puis surtout pas trop trop pas j'avais pas trop trop envie, mais là bon j'avais envie maintenant en fait. Voilà, c'est juste que cette semaine je sais pas, j'ai pas trouvé trop l'inspiration. Enfin bon, je trouve quand même qu'elle est pas mal cette version. Voilà, et bah, pareil comme l'autre, je vais essayer de la présenter assez vite. Et donc n'hésitez pas quand même à poser vos questions en commentaire s'il y a des choses que vous avez pas bien compris. Comprendre hein, comme ça va trop vite. Donc on va commencer. Donc là les deux qui dorment, bon, sans manger contre des armes, voilà. Hein. Ok. Alors ici Obi-Wan qui est sorti de sa cachette avec sa moto jet. Il voit tous les Mandaloriens qui le, ce que je vous rappelle, enfin vous l'avez vu la vidéo juste avant, mais je sais pas si je crois que j'aurais oublié de vous le dire. Il était caché là-dedans là, sur la moto qui était là, voilà. Donc tous les Mandaloriens qui le tirent dessus. Bon ok. Sauf bon alors lui pour une fois qu'il pourrait être utile, voilà. Bon. Alors ensuite ici ils font rentrer ces 3 PO donc dans la petite cellule qui les doit, donc ils commencent à être 3 quand même, c'est pas mal. Ici on a des clones blancs, donc enfin un clone blanc et 3 arcs blancs. Ici on a Moncey de Custom qui sont en arrière, Barry Sophie, Naran Douli, ici on a Jar Jar. Ici on a 2 arcs rouges comme ça. Et alors ici donc c'est vraiment donc le... Voilà, c'est vraiment le bazar quoi. Ils sont vraiment tous explosés. Donc là bon il y a toujours notre gunnery qui est arrêté par Anakin. Là-bas un Naboo pilote donc sur l'ordi toujours. Alors, attendez lui, il est pas au bon endroit, juste. Voilà. Le gunnery Soldier qui est en train d'exploser le droïde. Mon Narc Custom, Captain Panaka, Rex. Enfin, Rex en phase 1. Voilà. Et je crois, juste dites-moi si c'est ça ou pas, faire Rex après là dans les saisons 4, 4, 5 qui va sortir en 2013. Dites-moi si c'est vrai ou pas, parce que j'ai vu ça, mais je suis pas trop sûr parce que je l'ai vu que dans une seule vidéo. Et donc après c'est mieux de mélanger plusieurs vidéos, plusieurs informations. Voilà donc bon, d'ailleurs il y en a qui m'ont demandé, est-ce que j'allais faire une vidéo sur les nouveaux sets qui vont sortir? Non. Voilà, non. Enfin, j'aimerais bien, mais bon, après, je suis pas abonné aux sites qui fournissent les informations et tout. Vraiment, je sais, l'année dernière, au même moment de l'année, donc, on a sorti le set de 2012, il y a quelqu'un, donc, qui existe plus sur YouTube, quelqu'un d'ailleurs qui s'est fait connaître très très vite, en 2 mois, il a 800 abonnés. Bon, c'était les 2 mois des vacances d'été. Bon, là, donc, c'était Commandant Zorin Wolf, je pense qu'il y en a qui doivent savoir de quoi je parle, ceux qui sont sur YouTube depuis assez longtemps, comme par exemple Valley Cowboy. Et donc lui en fait il faisait sortir des vidéos comme ça, mais en fait il reprenait exactement les mêmes vidéos que d'autres personnes, donc il téléchargeait les vidéos des autres, il coupait l'intro des autres, il mettait son intro à la place, et puis il mettait les vidéos de tout le monde comme ça sur les nouveaux sets qui allaient sortir, voilà. Donc si c'est pour faire ça, moi je trouve que c'est vraiment stupide. Donc comme j'ai pas les bonnes informations directement, je veux dire je les reçois pas directement pour donc je vais pas aller m'embêter à aller chercher quelque part pour faire une vidéo qui ressemblera beaucoup à celle que sur YouTube maintenant, voilà. Donc j'en étais, oui, donc Rex avec Gris et un sous-clone de Gris, donc droïdes qui sont explosés avec donc lui le droïde de sécu, Masuke elle a mis son sabre ici avec la force et la celui-là ici il y en a encore un petit peu, mais ils ont peur quoi, ils ont un petit peu peur tu vois ici. Bon c'est tout, je fais des vidéos de plus en plus courtes, voilà. Bah en même temps, il faut dire que y a plus grand chose à dire quoi, au bout d'un certain moment quoi, c'est vraiment juste le placement des personnages, et surtout que ça avance pas beaucoup, parce que comme vous voyez là, ben, je peux pas trop, pas continuer mon banc quoi, même si j'avais une plaque, voilà, après c'est le bord de la table. Donc c'est un peu dans un cul-de-sac les droïdes, mais ils n'ont pas le temps de partir, voilà, donc ça fait, il y a presque tous les clones qui sont ici, presque tout le monde est regroupé sur une plaque verte. Après donc on a des grands espaces, par exemple on a 2 plaques vertes avec personne de vivant dessus. Après ça va un petit peu là-bas. Et bon. Voilà, c'est juste que. Je pense que pour que ce soit égal, on va dire que. Par exemple, peut-être lui, juste avant de mourir, il a tué un clone blanc. On va lui écarter un bras pour.
Allez. Voilà, on va dire ça qu'il a tué un clone blanc. Parce que les clones ils meurent pas. Et Mandalorian non plus, donc c'est. C'est embêtant. Voilà. Sinon, je sais pas si vous avez vu le catalogue là, reçu le catalogue. Non, celui-là en bas, attendez. Attendez, je vous. Donc le catalogue, pas le catalogue, enfin pas le magazine avec les BD, vraiment le catalogue qui sort 3 fois par an, donc à Noël, en janvier et en juin, donc quand ils font des nouveaux Lego quoi. Voilà. Catalogue Noël 2012. Donc après on retrouve petit village de Noël qui est un peu mieux que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière il y est. Voilà, c'était celui-là l'année dernière. Voilà, bon. On voit le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. 35 euros. Donc comme l'année dernière il était 40 euros à peu près au champ. Voilà, je vais attendre un petit peu qu'il soit au champ. Puis je vais me l'acheter, je pense, cette année. L'année dernière je ne me suis pas acheté, puis c'est un petit peu. Parce que je me suis dit, ouais, 40 euros pour avoir une petit vaisseau comme ça tous les jours. Ouais, mais en fait, à la fin, il y a des personnages et tout, c'était assez cool. Donc par exemple, si vous êtes inscrit Lego Star Wars, plutôt, enfin que et commencez vraiment à vous intéresser Lego Star Wars cette année, je vous conseille de l'acheter sérieusement. Voilà. Sinon vous devrez attendre un an. Bon, après celui de Lego City, il a un peu mieux que celui de l'année dernière. L'année dernière j'ai failli me l'acheter. L'année dernière c'était un truc avec des plus policiers voleurs, là c'est un truc plus pompier. Et Lego Friends. Bon. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu aussi, ils ont fait un R2-D2 grandeur nature. Enfin, je pense. Sinon, il n'aurait pas 31 cm de haut. Donc, ouais, c'est ce que j'ai mis ma règle. Ce que j'ai foutu ma règle. Ah, voilà. 31 cm de haut, voilà, c'est un triple décimètre. Donc, vous pensez. Cette taille à peu près, hein, que. Enfin, voilà, vous prenez un triple décimètre. Voilà, après les petits trucs, quoi, les porte-clés avec le Père Noël, enfin, les conneries. Voilà. Les minifigures Servite, qui ont l'air pas mal. Et si vous voulez voir la collection bien et tout, il faut un petit brique, je crois, lié. Sur Lego.com aussi. Ce truc, Lego City qui gère. Parce que je sais pas si vous le savez, hein, j'ai aussi une collection Lego City. Alors si vous voulez que jamais que. Si des fois vous voulez que je fasse une vidéo de ma ville, hein, vous suffit de me dire. Il suffit de me demander. Enfin, je pense que je la ferai plutôt après Noël quand j'aurai truc pic à brique et tout. C'est un mélange Lego City et Lego Racer, ce que j'ai, voilà. Et ce truc donc il coûte 100 euros. Donc c'est bête parce qu'il y a des véhicules pas mal en fait, mais ça coûte la peau du cul, juste le garage. Et donc je vais pas acheter ça pour avoir les véhicules. Voilà, après bon. Les Lego architectures qui sont sortis. Vraiment, je trouve super trop bien. Donc on a la porte Brandenburg. Donc, ça qui est vachement ressemblante. On a Big Ben aussi, qui est un peu moins réussi, mais qui est aussi cool. Et la Villa Savoy. Voilà. Dont je n'avais jamais entendu parler. Alors après on a les points doublés jusqu'au 31 octobre. Donc si vous voulez commander, par exemple, moi je vais avoir le malveillant à Noël, mais on va l'acheter avant. Comme ça j'aurai mes points doublés. Moi je ferai go.com point VIP doublé et transport gratuit. Voilà. Mais je l'aurai qu'à Noël. Et on a aussi le premier Lego Store qui a existé. Donc c'est si l'adresse là, si vous habitez à côté, vous avez de la chance. Par rapport à moi, c'est à Perpète. Voilà, donc après toujours les trucs qui coûtent la peau du cul. Voilà, attendez, il y a les Star Wars à la fin normalement. Voilà, les Star Wars. Bon, c'est des sets qu'on connaît quoi. C'est des. Celui-là a l'air vraiment stylé. C'est un The Old Republic, je crois. Mais je vais pas l'acheter. Il existe toujours à R2 donc. Là le malveillant. Voilà, qui sait. Avec nouveau exclusivité donc. Parce que l'on avait le Super Star Destroyer difficile à trouver et lui étonnant difficile à trouver. Et là donc dans ceux qui coûtent la peau du cul mais que tu peux te la péter quand tu les as, il y a
le B-Wing qui est sorti, voilà, qui est vraiment super super bien, mais que j'ai pas acheté. Voilà, donc ça fait une vidéo un petit peu longue quand même, au total un quart d'heure. Donc oui, la dernière fois j'ai mis une vidéo de 20 minutes, j'essaie de mettre des vidéos un quart d'heure maximum, voilà. Donc je vais partir, juste abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez des j'aime ou des j'aime pas, puis on se retrouve très très bientôt, voilà. Et puis dans une semaine, enfin je dis dans une semaine, au moment où je fais la vidéo, là on est dimanche 21, je crois. Oui, c'est dimanche 21, dans une semaine, donc c'est les vacances. Vacances de la Toussaint, vacances qui servent à rien. Mais enfin, à part faire une pause, c'est comme je dis, vacances. Voilà, mais qui font quand même un plaisir, quoi. En plus, ah merde, j'étais passé un quart d'heure.